Nous continuons l'aventure XCOM. Oui, on joue que à ça. Mais en même temps, c'est trop bien. C'est trop bien comme jeu. Today, we celebrate our independence day. Nous allions nous lancer dans une nouvelle mission, l'opération Diamant Point. Neutraliser la cible dans le véhicule d'Advent contre du fric et des renseignements. Nous avons 9 ennemis, dont un ennemi inconnu. Mais il pète tout sur son passage, lui. C'est Mr. Freeze, mais version toxique, en fait. C'est une fusion entre Poison Ivy et Mr. Freeze. Y'a quoi par là ? Chut. Mais non, mais... Couverture compromise. Comment ils font pour me repérer ? Je suis derrière... C'est le mur. Menace A5, identité de la cible confirmée. Ou alors ils considèrent que comme je suis dans le champ d'action de la VIP, je suis forcément repéré. Ça n'en reste pas moins dégueulasse. C'était chaud. Les gars, ils n'hésitent pas à aller au corps à corps. C'est pas cool ça. Oh, c'est pas cool. Oh, y a plus de mur, y a plus de défense, y a plus rien. Elle est complètement à découvert. Bah oui, tu vas l'allumer là, oui, bah oui, oui. Putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? On a des gros talents en face, hein. Ça, c'était écrit. Bon, bah, ils ont tué l'objectif. J'aurais bien voulu la capturer, mais bon. Pas avec. Ah, empoisonnement, mais grâce au gilet, elle gagne un PV. Bon, on peut jouer. Les renforts en approche, oui je sais. Menace 1-5, nous détectons un... Ouais, je sais, mais je peux jouer. Où je joue là? Bah, elle était pas étourdie, elle? Ça n'a pas duré longtemps. Ok, bon, toi, faut que tu te rapproches. Tu te mets dans une position où tu peux flinguer tout le monde. En fait, non, tu peux juste en flinguer un seul. Super. Meilleure position du monde. Alors là, voilà, il y a tous les bots ici. On peut faire un petit massacre. Bon, si c'est comme ça. Alors, on a le choix là. Complètement le choix. Même si que si le bot là-bas. Et ça fait un point de dégâts, ça fait un point de dégâts. Surtout, on peut l'allumer lui. Et en finir avec lui. Parfait. J'ai plus rien à tirer. Bon, elle, faut qu'elle sorte de cette situation. Mais. Ah, faut qu'elle bouge et c'est sa dernière action. C'est ça que fait l'étourdissement. Oh, c'est pas cool. Pas cool du tout. Elle a aucun endroit. Elle peut se planquer nulle part. Si, là, à la limite. Ah oui, mais oui, il y a lui qui est... ouais. En fait, non, elle a aucun endroit où se planquer, en fait. C'est un peu la baise. Bon, si c'est comme ça... Mais eux deux peuvent faire du dégât. Mais je sais pas pourquoi elle a des stats tout à chier, je pense que c'est l'effet du poison. Normalement, elle doit déglinguer dans la position où elle est. C'est un critique, mais un critique de bas niveau. Ah, quoique non, c'est l'armure en fait qui a tout pris. Ouais.
Et elle, ouais, bah elle, elle peut pas faire grand chose. Si ce n'est complètement se faire allumer. Ah, peu, oui, elle a une semi-protection là. Derrière le bureau. Vous m'aurez jamais. C'est complètement dérisoire. Ouais. On va faire jouer les petits nouveaux. On va faire jouer l'équipe bis. Et tout de suite, ça devient plus compliqué. Allez! Oh là là, c'est elle qui l'élimine! La nouvelle recrue! On trouvera peut-être quelque chose d'utile là. Quoi? Nous avons tous vu cette chose tomber. Mais que fait-elle maintenant? Oh là, un protocole zombie! Cette arnaque! Moi qui pensais avoir fait un bon move. Je me suis fait amocher. Pff, elle a tout pris dans la gueule. Alors qu'elle est censée avoir une protection optimale. C'est pas passé loin. Du coup, tu vas l'empoisonner comme tout à l'heure. Je crois que je vais vomir. C'est dégueulasse. Oh le destructeur! Elle gagne quand même plus de PV qu'elle en perd. Mais c'est dégueulasse, on l'avait détruit ce truc. Le robot bien sûr qui débarque à ce moment-là. Bon, on a éliminé un gars. Je me sens pas très bien. J'aurais besoin d'un coup de main. Tout ceci est assez bordélique. Menace 1-5, vous n'avez plus le temps. Foncez au point d'évacuation. Ah, je devais extraire toutes les unités. J'avais pas compris que le nombre de tours que j'avais là. D'accord. Ok. Je viens de comprendre. Le nombre de tours là que j'avais, c'est pas la limite de tours pour éliminer la cible. C'est le nombre de tours avant de se barrer. Je viens de comprendre que maintenant, je me fais chier à essayer d'abattre tout le monde. Alors que ça sert à rien. Il faut juste buter la cible et se barrer. C'est tout ce qu'il faut faire. Ah bah si c'est tout ce qu'il faut faire, c'est bon quoi. Ça va être vite réglé cette affaire. Normalement, tout le monde est à portée. Voilà. Tout le monde est à portée.
C'est parfait. Let's go. Exécuté. Menace A5, statut confirmé. Cible éliminée. Ramenez-vous. De toute façon, le son, il est buggé. Pas hésiter, hein. Cible verrouillée. On lance des roquettes. On tire sur tout ce qui bouge. Je couvre la zone. J'espérais mieux. Nous détectons un transport. Ça va être plus simple que ça. Qui est en vigilance ici? Lui est en vigilance. Qui est en vigilance? Attends. Lui est en vigilance et lui est en vigilance. Ok. Mais elle. Elle peut détecter les deux vigilances. Ah non, l'effet est annulé en cas de déplacement ou d'attaque. Oh, c'est dommage. À qu'à cela ne tienne. Elle va servir de cobaye. Ah, ça active pas la deuxième vigilance. Attends. Pourquoi ça active pas la deuxième vigilance? Ça devrait pouvoir se faire. Non. Oh, c'est pas cool ça. Bien reçu.
Ah voilà, bien sûr. On était très loin quand même, mais bon. Mission accomplie. Je fais mes valises. C'était tout con. Après, il fallait quand même gérer l'évacuation, qui était un peu compliqué. Voilà, on a failli perdre la myope. Hein. Évacuation confirmée. C'est pas joué à grand chose. Je rentre au bercail. Je ne tire aucune gloire à cette mission, rassurez-vous. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. 3 blessés pour juste un assassinat alors qu'on aurait pu fuir. Ça devrait pouvoir se faire. Oh. Ces chrysalis me semblent un peu plus petits que dans mes souvenirs. Mais je dois dire que ce n'était pas vraiment leur taille qui nous inquiétait. Le retour des chrysalis. Ces sales bestioles. Merde, c'est le tir de pistolet, j'ai pas pensé. Ça rebondit sur son armure. J'ai pensé que c'était le... Visite précision quelconque. Je me sens bien con. Ah, super. Même avec la visée holographique. Rate son tir. Il met pas du tout à l'aise. Et en plus elle les esquive. Allez. C'est mieux que rien. On est full dans la merde. Magnifique. Ils m'ont pas loupé. Je me fais tirer dessus. Bah, elle brûle elle. Elle est carrément dans la merde parce qu'en fait elle va réussir son tir, elle peut le tuer, mais en fait elle derrière elle va l'achever. Je vais porter le coup de grâce. Quoi? Mais non! On peut pas l'avoir, elle. Super. Menace éliminée. Elle peut rejouer. Je rejoins la position. Je confirme. Et en plus, elle esquive. Juste une égratignure. Je l'ai un peu senti passer. Et tout le monde est empoisonné du coup. J'aurais besoin d'un coup de main. Ouais, pas tout le monde. Et beaucoup de monde. C'est pas bon. Ah bon, s'attaquer à elle plutôt qu'à d'autres, ça me va. J'ai l'impression d'être à toast. Qui a du soin? Normalement, il y a des gens qui ont du soin. Carbonisé. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça?
J'en dis que si vous avez réussi votre tir au début, on en serait pas là. Je dis ça, je dis rien. Non, juste le robot. Pas de plus. Celui-là, c'est un gros robot. En vrai, il y a moyen de faire cette mission sans faire une recharge. C'est encore possible. Attention, sous votre touché l'armure. Ah putain. J'avais dit qu'il en reste encore. Ça crée un cocon et du coup ça crée un nouveau chrysalis. C'est pas clair. Ça peut quasiment le tuer, mais pas complètement. Chier. Il fait pas mal de dégâts quand même. Et on peut l'achever au pistolet. Bon, si c'est comme ça. Barrez-vous de là. Main fulgurante, c'est vrai ça. Ah oui, mais pour les stats sont à chier. Quoique, attends. Attends. Oui, non, les stats sont à chier, donc main fulgurante si tu veux, mais. C'est de la merde. Voilà, le robot il est mort, et puis c'est bon. J'ai tué un ennemi là ? Le problème c'est que ça crée une... un drôle de truc. Je pense qu'il faut l'éliminer avant. Avant toute chose. Il va falloir que je recharge. Il va falloir qu'on l'élimine. Je bouge. Qu'on n'en parle plus. Quoi ? C'est pas le moment. Ah c'est ça, ça forme un nouveau chrysalis. Donc ça crée plus de nouveaux zombies en fait. Ça crée de la chrysalis. C'est intéressant. Putain, elle était quand même bien couverte. Un peu moche. Et voilà. J'avais dit. Quelque part, ça lui apprendra à rater ses tirs. Quand en fait, ça va créer des chrysalis à l'infini. Donc c'est pas mort, cette merde. Super. Donc elle va fuir, très loin. Que dans l'état où elle est, elle va mourir. Je ne le souhaite pas. Oh, il y en a encore un. C'est pas vrai. On va bien rater celui-là. J'aime pas ça du tout. Ah, mieux. Cible coriace, dégâts nuls. Ils m'ont eu.
Et encore la chrysalide, quoi. Et enfer. Putain, non, faut qu'elle recharge. D'accord, j'y vais. Recharge. En avant le massacre. C'est comme vous voudrez. Putain, les stats sont à chier. C'est-à-dire qu'il est bien protégé le bougre. Grenade. Je lance une grenade. Plus de défense. Excellent travail. La crème de la crème. Eh, hey, il y a du matos par ici. Le matos, j'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Oh, petit lance-roquette. Éventuellement. Mais je sais pas trop. Faut se méfier. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a deux ennemis. Il va nous tirer dessus. Il va tirer sur Big Mom évidemment parce que c'est celle qui a le moins de points de vie. Le problème c'est qu'il y a lui aussi là-bas. Donc Big Mom peut mourir. Elle peut mourir sous l'action à venir. La question étant... On balance une roquette. On va balancer une roquette sur lui pour lui casser sa défense. Le problème reste cette saloperie là-bas. Il faut éliminer à tout prix. On remarque qu'on aura un lance-roquette après derrière. Ouais. Comme lui, la priorité. Ils vont pas s'en remettre. Faut pas rater son tir. Il peut toujours avoir une autre chrysalide. Toujours possible. La grenade. C'est moche. J'ai l'impression que c'est le dernier ennemi. À bout portant. Et si, ça va bien casser les murs, nous sommes d'accord. C'est pour elle, c'est près de l'expérience. J'ai rien dit. Allez, concentre-toi. J'aurais besoin de munitions. Ouais, j'y vais. Ici. Hey, je me débrouille. Un anonyme. Peut-être servir à quelque chose, on ne sait jamais.
Big Mom peut encore vivre. Mais attention, rien n'est fait. Oh non! Oh non! Eh ben tant pis. Adieu. Rip. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. J'aurais pas dû l'avancer. Oh putain! Quel connard! Aucun problème. Mais tant pis. C'est une grosse perte. Hein. Tout de suite. Mais j'assume. Sans recharge avec des chrysalides! Ouh, je suis très content de moi. Même si, du coup, avec cette dernière erreur finale. Ah, fils d'un, j'aurais dû la laisser là! Là où elle était! Et je pensais qu'il m'aurait pas vu, mais bien sûr que si, qu'il m'a vu. Ah, fais chier. 25 morts en 11 missions. C'est l'une des meilleures. Et c'est ainsi qu'est la bataille contre les extraterrestres. Il y a parfois des morts que l'on ne peut éviter. Et voilà, je veux que les morts, ils aient un sens, vous voyez ? Il faut qu'ils aient un sens. Là, la dernière mort qu'on a eue, alors c'était une caporale. La caporale qu'on a eue, parce qu'on avait utilisé tellement fois la Seiscom que il fallait un mort. Il en fallait au moins un. Alors que là, les lieutenants, elle fut nécessaire. Parce qu'on avait réussi la mission très difficile contre des chrysalises de merde sans avoir eu besoin de la sauvegarde. On a réussi notre coup. On a réussi la mission sans sauvegarde. Ça, c'est cool. Mais par contre, la petite action de merde à la toute fin qui foire tout. Ah, c'est cruel, mais c'est XCOM. Et comme quoi, il faut être vigilant. Vous voyez, ça a un sens. La première, ne pas trop utiliser la sauvegarde. La deuxième, bah, penser à sauvegarder. En toute contradiction. Terrible.